Eh bien, vas-y, c'est déjà parti. On est déjà en live sur YouTube, là. Je vois YouTube. Ouais. Un instant, je vais me connecter sur YouTube. Arrêtez la radio là. Bon, après que nous allons commencer, je vais me connecter par la suite sur YouTube. Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir dans le cadre de notre série consacrée à l'entrepreneuriat et quand. Et ce soir, nous parlerons d'économie, plus précisément du système économique traditionnel et quand. En parcourant la toile, j'ai trouvé cette description un peu plus simpliste, certes, de l'économie traditionnelle, mais que j'ai choisie parce qu'il me semble qu'elle est compréhensible pour tout le monde. L'économie traditionnelle, ce n'est pas la grande économie et ce n'est généralement pas un grand business comme l'industrie automobile ou bien Google. C'est généralement une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. Il se développe dans des espaces naturels comme la forêt, la montagne, mais généralement pas dans les villes. Il est caractérisé par le commerce des matières premières telles que le blé, le maïs, la fourrure, au lieu d'utiliser l'argent pour les échanges. Entendez la monnaie, pas l'argent, le métal, mais la monnaie. Les personnes qui dépendent d'une économie traditionnelle font beaucoup de cérémonies et des choses religieuses. Leurs profits vont à leur famille pour acheter des choses essentielles. Leur gouvernement ne fait pas grand partie de l'économie car ses habitants sont autosuffisants. Les économies traditionnelles sont les aborigènes, l'Afrique, les Inuits dans le nord du Canada, etc. Je vais me limiter à cela. Vous voyez très bien que c'est une définition assez caricaturale de l'économie traditionnelle dans le sens où même l'Afrique, l'économie africaine est réduite dans son ensemble à une économie traditionnelle. Et je crois que c'est dans ce sens que le docteur Chunjang Kwemi, dans son livre « Monnaie, servitude et liberté » répondait déjà en son temps, à son époque, en disant « Dépit de mille efforts pour faire croire que c'est l'Occident qui est venu apporter sa technique à l'Afrique, des témoignages de plus en plus nombreux sont apportés que le choc colonial a plutôt arrêté un processus soutenu de progrès économique qui plonge ses racines dans la nuit des temps. » Une minute, s'il vous plaît. Voilà, je suis de retour. Donc, c'est un progrès économique en Afrique qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Donc, premier contre-argument. Second contre-argument en ce qui concerne la monnaie, il suffit de regarder sur la toile et on verra très bien que l'Afrique, avant de rencontrer l'Occident, connaissait la monnaie. Donc, ayant un tout petit peu donné ces contre-arguments, face à cette présentation rétrograde de l'économie africaine, dite traditionnelle dans son ensemble, il n'en demeure pas moins que ce même docteur Kwemi dit néanmoins que la monnaie est à l'économie ce que le moteur est à la voiture. En d'autres termes, parler d'économie
performante, sans parler de monnaie, risque de poser problème. Voilà pourquoi, en préparant ceci, je me suis quand même posé la question de savoir, en revenant dans notre sujet, est-ce que nos ancêtres étant avaient déjà, est-ce que l'idée d'avoir une monnaie a effleuré l'esprit de nos ancêtres étant, à supposer que nos ancêtres n'aient pas connu la monnaie. Comment ce système, donc nous allons parler tantôt, peut néanmoins être d'actualité de nos jours. Comment ce système peut-il nous permettre de nous lancer dans l'entrepreneuriat? À ces quelques interrogations et certainement bien d'autres qui pourraient meubler vos réflexions actuellement, l'intervenant de ce jour, M. Aoumou Ebodé, nous en parlera de long en large. Qui est M. Aoumou Ebodé? C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est un autodidacte, un artiste et musicien, écrivain et conteur, psycho et thérapeute, instruit dans la culture écan. Il est par ailleurs héritier de la chefferie supérieure de deuxième degré des Enois Ngwe dans l'Oignon Esso. Sur le plan pratique, si vous avez des questions à poser, vous connaissez, je crois que vous connaissez presque tous la façon de procéder. Vous cliquez sur les participants, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourrez lever la main. Sur votre téléphone, vous effleurez votre écran, trois boutons s'affichent et vous pouvez lever la main. Ben, sinon, vous pouvez toujours lever la main naturellement. C'est beaucoup plus facile en le faisant électroniquement pour le suivi. Cette conférence, comme toutes les autres, a été préparée par notre sœur, notre jeune sœur, Nelly. Bonsoir, Nelly. Bonsoir. Ok, merci bien. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Aoumou Ebodé. Bonsoir. Bonsoir, Temenga. Et bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir à tous les, je ne sais pas comment on dit, les Zoom spectateurs, ou comme à la télé, on dit les téléspectateurs. Peut-être on va dire les Zoom spectateurs. Et bonsoir à tous les Facebook spectateurs. Donc voilà. Ce soir, nous parlerons effectivement du système économique traditionnel écan. Et en quoi est-ce que le fait de connaître que les écan avaient un système économique peut nous être utile aujourd'hui? En quoi est-ce que ça peut nous être bénéfique, le fait de le savoir? Je voudrais d'abord préciser que j'ai tenu à entretenir nos frères sur ce thème parce que j'ai été blessé dans mon amour propre en tant qu'écan. Lorsqu'une fois je vois une vidéo sur YouTube et quelqu'un qui affirme que si aujourd'hui un certain peuple du Cameroun est fort économiquement, c'est parce qu'ils sont organisés en système économique communautaire. Et bon, le dire, c'est une chose, mais la réaction de mes frères écan m'a beaucoup fait mal, parce que j'ai eu l'impression que nos frères écan pensent que ce peuple est tellement en avance sur nous, pensent que ce peuple connaît plus que nous et est plus adapté au système économique contemporain ou au système mondial actuel que le peuple écan. J'ai donc tenu à faire comprendre aux écans que, d'abord, que ce système économique qui est aujourd'hui mondial là n'est pas nouveau. Les écans l'ont pratiqué pendant des millénaires. Le seul problème des écans, il faut le retenir une fois pour toutes, c'est qu'il y a eu rupture entre le passé et le présent. Il y a eu rupture à un moment entre le passé et le présent des écans. Ce qui fait que la génération d'aujourd'hui ne sait pas exactement ce que faisait leur père, ne sait pas ce que connaissait leur père et ne sait pas de quoi était capable leur père.
ne connaît pas les réalisations de leur père. L'économie n'est pas une chose étrangère aux Écans. Toutes nos langues, toute notre langue, la langue des Écans, que ce soit le Boul, que ce soit le Léondo, que ce soit le Fang, que ce soit le Mvai, que ce soit le Ntoumou, que ce soit les Ton, que ce soit le Mangissa, toutes ces langues sont remplies de mots d'économie. Je parle d'économie actuelle. S'il faut parler de l'économie actuelle dans le sens de, d'accumulation des richesses et puis production des entreprises et réalisation et ainsi de suite. Les Écans connaissent ça depuis des millénaires. Ils ont cheminé comme ça. C'est ça qui les a rendus puissants et prospères. Maintenant, les gens vont me demander où est-ce donc cette prospérité. Je vais tout simplement leur répondre que cette prospérité est là, mais nous sommes tellement aveugles, nous sommes tellement ignorants de nous-mêmes que nous ne la voyons pas. Nous ne sommes pas sur les meilleures terres en Afrique, par hasard. Nous ne sommes pas sur les meilleures terres au Cameroun, par hasard. Nous n'avons pas le meilleur sous-sol au Cameroun, en Afrique, par hasard. Nous ne nous sommes pas positionnés en Afrique centrale, là où nous sommes aujourd'hui, par hasard. C'est une richesse, si vous ne la voyez pas, c'est pour cela que nous vendons les terrains, parce que nous ne la voyons pas. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes riches. Et quand tu ne te rends pas compte que tu es riche, même un imbécile vient te prendre ta richesse. C'est comme quelqu'un qui a fait l'échange entre, on lui a donné de l'or, une grosse pierre d'or. Il avait ça, mais comme l'or, quand il est brut, il ne brille pas. C'était posé là, il me disait, je ne sais même pas ce que ça, à quoi ça me sert. Mon grand-père m'a légué ça, je ne sais pas à quoi ça me sert. Et quand un étranger est venu, il a été le premier, il a été le premier, et c'était la première chose qu'il a offert à l'étranger. Et pourtant, il se plaignait qu'il est pauvre. Donc, voilà d'abord le problème des Écans aujourd'hui, c'est que cette vidéo et les commentaires qui ont suivi m'ont blessé, m'ont dit, mais attendez, c'est pas impressionnant encore que ce qu'ils essayent de faire est très limité. Hein? Ils ne connaissaient pas ça avant. Ils essayent de s'adapter. Nous, on connaît ça, mais on a oublié. Sur le plan conscient, sur le plan de la mémoire, on a oublié. Mais nos gestes sont économiques. Notre langue est économique. Notre tradition est économique. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord préciser qu'il y a les expressions d'économie qui sont dans la langue Écan. Nous avons d'abord, pour la monnaie, on a d'abord l'Ikbele. L'Ikbele, c'est l'argent. C'est une monnaie faite de métal qu'on frappait. Mais cette monnaie n'avait aucune valeur sans qu'on lui ajoute son poinçon qui faisait donc l'unité de mesure de l'Ikbele. Ce poinçon s'appelle aloi. Donc, c'est une sorte de boucle en fer qu'on accrochait sur la pièce d'Ikbele. On disait donc « l'homme bé, l'homme lait, l'homme ni ». Ça faisait donc c'était donc ce poinçon-là, la loi, qui faisait donc l'unité de mesure de l'Ikbele. L'Ikbele même est plus récent comme monnaie. La monnaie que les Écans ont toujours utilisée depuis fort longtemps s'appelait Kama. C'est une monnaie battue, toujours pas en métal, et c'est les Maka, c'est le terme Kama est Maka. Donc ça vient de chez les Maka. Donc on a, et c'était la vraie monnaie des Écans. L'Ikbele, c'est très récent. Il faut préciser que l'Ikbele a même été la monnaie de la Guinée équatoriale. Il faut préciser cela. Alors, on a d'autres termes comme Ayad, payé. Ayan. On a Ikola, la dette. On a Kous, acheter. Akouan, vendre. On a Abere. Abere, c'est quoi? C'est une mise. Abere, c'est une mise, c'est un ajout. C'est une astreinte. Je ne sais pas où on dit un astreinte, où on dit une astreinte, je ne sais plus trop. C'est une obligation. Abere,
C'est une obligation que tu dois payer. On a sangé le bénéfice, intérêt sur prêt d'argent. Donc les bétis connaissaient le bénéfice. On a Angara, le marché, la foire. On a Ilergan, qu'on appelle en boulot Ilitingan, hein, exposition, foire. Donc je peux organiser un Ilergan pour montrer ma marchandise, pour montrer mes produits que je vends, que je mets sur le marché. Les bétis le faisaient, les bétis le connaissent. Ilergan, c'est encore les journées portes ouvertes d'une entreprise. On a Iswen, que nous connaissons tous, les cotisations, les versements. Donc, ça veut dire que si on a une Iswen, ça veut dire qu'il y avait un endroit où on allait verser. Et si on avait un endroit où on allait verser, ça veut dire que cet endroit était comme une banque. Nous allons voir ça au fur et à mesure. On a Nkous, le taux. Nkous, le taux. Hein? Le taux d'échange. On a tant le prix, le calcul, les mathématiques. On a Fouen, surtaxé. Donc, quelqu'un peut surtaxer une marchandise à Fouen. On a Ayerle, le système. On a Mefouen, Mefouen, taxation. Ou encore Atuali. On a taxé Atuali. On a le péage, l'impôt, un toile. On a Kabita, la taxe. Donc, on a des termes encore comme Aboum, le troc, ou encore Nfolne, un Tsendan, c'est le troc. Un Voilan, c'est toujours le troc. On a le projet. Hein? Je peux avoir un projet. À 100. On a la cagnotte, la caisse, un quoi. Donc, on ne peut pas, rien qu'à partir du fait que, et ce n'est pas les termes qui sont importés. C'est des termes qui appartiennent à notre langue. Donc, ça veut dire que nous connaissions exactement ce que veut dire le commerce, nous connaissions ce que veut dire la production, nous connaissions ce que veut dire l'échange, et nous connaissions tout ce qu'on peut appeler l'inflation et autres là. Et je vais encore aller plus loin pour donner les expressions qui prouvent l'existence d'un commerce entre les bétis et les peuples du monde. On a Seneng. Seneng, qui est une unité monétaire, une pièce de monnaie. C'était soit le franc, soit le marque. Interseneng, quand on dit Interseneng, ça vient de Seneng, vient de shilling. Donc ça veut dire que les bétis ont commercé avec les Anglais. On a le Kaba, qui est devenu au Nigeria le Kobo. Ça vient du mot anglais, du mot anglais Cooper. Hein? C'est une monnaie anglaise. Le Cooper, Kobo, Kaba. On a twelve pences. Hein? C'est 12 pounds, quelque chose comme ça. Donc on a Douali, qui vient de dollar. Donc, les bétis connaissaient qu'il y a le dollar. Et pour connaître qu'il y a le dollar, ça veut dire qu'ils ont rencontré les Américains sur leur chemin. On a Tola, qui vient de Thaler, monnaie allemande. On a Silfen, qui est le silver, l'unité supérieure du Kaba. Donc, c'est pour dire que les bétis sont un peuple qui a été dans le passé extrêmement évolué et extrêmement avancé. Nous connaissions ce que veut dire la richesse. Je vais donc commencer par un proverbe chez les bétis. Ce proverbe dit Betibu Belakuma Belobo Kongo. Betibu Belakuma
Beloba Congo. Les bétis ont la richesse et les esclaves en vie. Les hommes inférieurs en vie. Betibo Bela Kuma, Beloba Congo. La société Ekan est donc une société fondée sur la richesse. Pourquoi la société Ekan est fondée sur la richesse? Ça part de ses origines. Tout part d'une femme. Une femme qui décide que ses descendants doivent absolument servir Ntondoube. Ses descendants doivent servir Eyo. Elle va le dire à son mari. Elle va dire à son mari, vraiment, là où nous sommes ici, dans le pays où nous sommes ici, il y a trop d'idolâtres. Il y a trop de peuples barbares. Moi, chez moi, d'où je viens, on loue le Très-Haut, le Créateur. Alors, si vraiment tu veux que nous prospérions, que nos enfants prospèrent, il va falloir que nous pratiquions le culte au Créateur. Et son mari va accepter. Cette histoire se trouve dans Dulubonba Frikara de Ondwa Ngutu. Cette femme s'appelle Anna. Elle va dire à son mari, à Hamata, elle va lui dire, à partir d'aujourd'hui, nous devons adorer uniquement et uniquement le Très-Haut. J'expliquais dans un propos que lorsque le Très-Haut a créé, a inventé l'univers, le bien et le mal, Abé, Bahamban, Bengaselem, se sont séparés. Et Bengazotobna Sindon sur terre. Et on me souhaite Tobna Sindon. Bengazan et Vombatoa. Et il fallait à tout prix qu'il y ait une créature qui réunisse le bien et le mal afin que l'ordre universel revienne à son point de départ. Et la créature qui devait le faire, c'est Mourbinama. Quand Mourbinama est donc créé, les peuples qui vivent sur terre vont dans tous les sens. Vont dans tous les sens. Le bien et le mal se battent, se combattent, et certains peuples acceptent de servir le mal, d'autres acceptent de servir le bien. Et on comprend que très peu vont accepter de servir le bien. Et parmi ceux qui vont accepter de servir le bien, en tête se trouve le peuple Ekan, qui va dire, moi monsieur, qui va dire à Eyo, moi monsieur, nous on va te servir. Alors, quel est le projet économique qui naît à partir du fait que le peuple Ekan décide de servir Eyo et Eyo tout seul, à partir de leurs ancêtres primordiaux? C'est qu'il se trouve que le bien et le mal étant en guerre sur terre, il est important que le peuple qui décide de faire le bien, de servir Eyo, donc de réaliser le projet d'Eyo, que ce peuple-là soit capable de maintenir cette alliance de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Voilà comment le projet social et quand va naître. Voilà comment le projet économique et quand va naître. Il faut préciser ici que l'économie et quand est une économie communautaire. J'ai suivi Atemeng tout à l'heure qui parlait des définitions des Blancs sur l'économie communautaire, qui était comme une économie qui était considérée comme une économie sans avenir, bref, qui se familiale et autres. Mais j'aimerais quand même dire que toutes les économies du monde ont une figure familiale et communautaire. Aussi grande qu'elle puisse être, quand on voit des termes comme le protectionnisme et autres, c'est quoi? C'est pour protéger la capacité d'un peuple ou d'une nation à pouvoir s'émanciper sur le plan économique. Donc, toutes les économies sont d'une manière ou d'une autre communautaires, et je dirais même qu'elles sont communautaires.
Le peuple Ékan va donc commencer par cette économie-là. Parce qu'il se trouve dans un environnement qui est hostile. Il se trouve dans un environnement de guerre. Il a choisi de servir un être qui n'est pas très aimé sur toute la terre. Parce que tous les peuples à l'époque, hein, au Soukouba, comme on dit souvent, à cette époque-là, les peuples vont dans tous les sens. Il faut comprendre que l'humanité, la naissance de l'humanité est une question spirituelle. Et le déroulement de l'humanité est une question spirituelle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'anthropologie quand on parle de l'humanité. Même dans l'économie et autres, on ne peut pas faire... Le docteur Thierry Amougou nous l'a démontré ici. On ne peut pas faire fi de l'anthropologie. On peut séparer anthropologie et économie. Ça va ensemble. Donc, pour comprendre l'économie, pour comprendre l'économie d'un peuple, il faut comprendre la philosophie de ce peuple. Il faut comprendre la naissance de ce peuple et le projet social de ce peuple pour comprendre son économie et voir comment il avance dans ce sens-là. Alors, étant donc dans un environnement hostile et dans un environnement où tout le monde ne sert pas Eyo, le Très-Haut, l'histoire orale nous dit que cette femme va réaliser quelque chose d'inédit. En fait, elle va imiter le projet divin. Nous savons que Dieu crée à partir de l'inceste. Hein? Si on considère Zamey et Mbara avec Ningwano et Mbara, la fille de Dieu, et Zamey et Mbara, le fils de Dieu, on va voir que Zamey et Mbara est le responsable de la création des humains terriens avec sa sœur Ningon et Yomobara. Ils vont avoir un fils qu'on appelle Bingo. Je suis là dans la cosmogonie et quand. Ils vont avoir un fils qu'on appelle Bingo. Donc, c'est un projet incestueux. C'est à partir de l'inceste que l'humanité va naître. Et cette femme, pour conserver la pureté du peuple Ékan par rapport aux autres peuples qui sont compromis avec leurs mœurs, parce qu'avant, les sacrifices humains se faisaient, l'anthropophagie se faisait, cette femme va dire non, nous on a décidé de servir Eyo, donc il faut qu'on se sépare de cette phase, de ces pratiques-là. On retrouve d'ailleurs l'exigence de cela face à la traversée du Yuam, lorsque le génie dit à Mbartogo, à Neboro, le génie lui dit, livre-moi 12 personnes de ta tribu, si tu veux que je t'aide à passer le fleuve. Et il dit, nous avons fait serment depuis nos ancêtres qu'on ne fait pas de sacrifices humains chez nous. Donc franchement, si tu veux, tue-moi. Mais je ne te donnerai pas une seule âme de mon peuple. Parce que nous, on ne pratique pas ça. On a fait serment avec Eyo. Et c'est comme ça que Mbala va dire, tu as prouvé que tu peux avoir ma confiance. Ce soir même, vous allez traverser. Voilà comment les bêtises vont traverser. Donc, c'est pour dire que cette femme a fait une alliance avec Eyo. Elle a dit aux enfants, à ses enfants, à ses petits-enfants que où que vous soyez, vous ne servirez qu'Eyo. Et vous ne vous mélangerez pas aux autres peuples. Parce que si vous vous mélangez aux autres peuples, vous serez corrompus. Mais comme il peut arriver que vous vous mariez, vous les alliez chercher. À un moment, vous serez nombreux, vous allez chercher femmes et hommes ailleurs. Vous ne vous marierez avec une femme et avec un homme que dans la condition unique qu'il ait choisi et accepté de servir le Créateur, comme vous. Et c'est comme ça que quand il acceptera, les garçons se feront circoncire.
Les garçons se feront circoncire pour montrer qu'il est désormais un bétis. C'est pour cela qu'il y a deux façons de devenir bétis. Soit tu le deviens par le sang, soit tu le deviens par conversion, ou encore assimilation, intégration. Et ça veut dire que tu as accepté les rites et les coutumes. Le projet continue. Elle va donc demander à ses enfants, pour ne pas se mélanger aux autres, elle va marier son fils avec sa fille. Voilà comment le premier inceste commence et comment est-ce qu'elle garantit par cet inceste l'unité du peuple, l'union du peuple, la pureté du sang, afin que ce sang ne soit pas compromis et que l'information ne sorte pas du cercle. Elle est en train de poser comme ça les jalons de l'économie des écans. Qu'est-ce qui va se passer? Les écans ne doivent pas se mélanger aux autres. Les écans doivent vivre en vase clos. Ils doivent vivre entre eux. Ils doivent se former entre eux. Ils doivent s'aimer entre eux. Ils doivent survivre à partir d'eux-mêmes. À partir du moment où ils doivent survivre à partir d'eux-mêmes, il naît donc à ce moment la nécessité de créer les moyens de survie. Les moyens de survie. Les écans vont se rendre compte que pour rester fidèles à Eyo, il faut avoir de la richesse. C'est pour cela que c'est un peuple dont la société est fondée sur la richesse. Mebi, bienbi moi, comme on dit. Akuma. Un peuple qui a décidé d'être, de vivre en vase clos des pratiques des autres peuples, doit être capable d'être, de survivre par lui-même. Sinon, il ne s'en sort pas. Sinon, sa doctrine va s'estomper à un moment de l'histoire. Sinon, sa philosophie va dépérir à un moment de l'histoire. Il est donc important que ce peuple-là apprenne à survivre par lui-même. Et les écans vont mettre sur pied le projet de survivre par eux-mêmes, de ne dépendre de personne et d'avoir tous les éléments nécessaires pour la survie d'un peuple. Et surtout, nous savons que la terre est difficile. Vivre sur terre est difficile. Pendant que tu es tranquille dans ton coin, il y a quelqu'un qui guette la place dans laquelle tu es assis. Quand tu pars te réfugier sous une ombre, sous un arbre, il y a un individu qui regarde que moi je dois posséder l'arbre là. Et je dois avoir cet arbre et je dois m'asseoir aussi à la place où il est. Et il vient et te dit dégage, ce qu'on appelle la loi de la jungle. Cette loi n'est pas une loi de la jungle, c'est une loi qui existe dans la nature de tout être humain. C'est que les humains, la vie sur terre est une guerre permanente, la guerre de la possession, la guerre du fait que je dois avoir ce que l'autre n'a pas. Et ce que l'autre a, il y a des individus qui sont carrément capables de chercher à venir te l'arracher. Alors, ça veut dire que les écans doivent, pour survivre, il leur faut savoir se battre, être de très bons guerriers. Et savoir se battre, ça veut dire être en avance sur tout le monde. Les écans sont nombreux. Quand ils grandissent, ils ne font que se multiplier, ils ne font que se multiplier. Il est important que
qu'on puisse assumer et assurer à tout ce monde-là de quoi vivre. En sachant que nous avons décidé d'être le peuple de Dieu. Ça veut dire que nous n'allons pas aller chercher le monde chez les autres. Ils vont nous esclavagiser. Ils vont nous réduire en esclavage si on s'en va chez eux. Donc, il faut posséder. Il faut créer. Et il faut sécuriser. Il faut stabiliser. Et il faut perpétrer. Nous sommes là en plein d'économie, les bases de l'économie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour assurer cela, il y a trois éléments fondamentaux. La profession de foi est quand dit Menemani Yengon, Mbialne Yekan, Lorzeni Yisongo, Aibokon, Atobenami Yimomilan, Atobenami Yimomilan. C'est là où tout commence. Atobenami Yimomilan. Un Tobzan Biningbis. Je suis d'Engon, Menemani Engon, Mbialne Kan, je suis né à Ekan. Un Lorzeni Isongo, Aibokon, passager furtif entre le cône de l'entonnoir et le pays des morts. Atobenami Moumilan, je suis installé sur terre. Alors, lorsque l'individu naît sur terre, les écans prévoient que cet individu doit devenir un tabzambi ningabis, le médiateur entre toutes les vies, ibibiyene, ibibineteyene, tout ce qui existe, ce qui vit, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'enfant doit grandir. À un certain âge, il doit devenir un homme. Il doit passer de la catégorie de mongo à mout. Quand il passe de la catégorie de mongo à mout, pour passer de la catégorie de mongo à mout, il doit absolument se faire initier. Il doit passer les rites de passage. Il doit faire les rites de passage parce que dans ces rites-là, on lui inculque donc l'esprit de départ. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple qui a fait alliance avec Eyo. Voici les lois, tu n'adoreras pas un autre Dieu, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne blesseras pas, tu ne feras pas comme ça, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il apprend tout ça. Et après, on lui ouvre les yeux, on lui ouvre l'esprit, on lui ouvre l'intelligence, on lui donne les vous. Et il devient un mot. Et quand il devient un mot, à l'âge de 12 ans, 15 ans pratiquement, ou 17 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va lui dire, bon, mon fils, maintenant tu dois trouver femme. Entre-temps, il faut préciser que la femme passe aussi son rite, fait aussi son rite de passage, la jeune fille fait aussi son rite de passage pour devenir une femme. On lui dit, tu dois trouver femme, mon fils. Dès que tu trouves femme, ses parents vont le marier. On lui trouve une femme, on le marie. On lui présente une portion de terre. Et on lui dit, tu dois désormais construire ta maison. Wayeno lugu minga ayuso longa manabemui.
Il faut préciser ici que c'est la femme qui bâtit l'homme. Et quand il épouse la femme, on appelle cette femme-là, qui est généralement la première femme, on l'appelle Ikomba. Ikomba veut dire Ikomaba. Ikomaba, c'est-à-dire celle qui bâtit là-bas le lieu de séjour, dans la maison de l'homme. Ikomba veut aussi dire l'utérus. Donc, celle qui va lui faire des enfants. Lorsque il a donc son Ikomba et qu'il a une portion de terre que son père lui a présentée, ou alors son père lui a dit, la portion de terre, là, tu dois aller la conquérir. Il va, il la conquiert. Quand il la conquiert, il doit se construire une maison, première chose, premier élément de sa vie. Il doit se construire une maison. Après s'être marié, il doit se construire une maison. Sa femme va l'aider à construire sa maison. Elle va donc l'aider à construire sa maison. Il va la construire. Elle va lui faire des enfants. Et il va défricher un champ pour qu'elle produise la nourriture à partir de ce champ. Voilà comment l'économie des écans commence tout doucement. Donc, tout commence par l'effort personnel, l'entreprise personnelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises, chez les écans, une entreprise, c'est l'équivalent d'une famille. Une famille, père, mère, enfant, c'est l'équivalent d'une entreprise. Parce que c'est là où se trouve tout le creuset. C'est là où on fonde. Vous mettez au frigo, je vais manger. Ça, à quoi bien? C'est là où on fonde. Mm-hmm. Ils ont refusé l'autre. Donc, c'est dans la famille qu'on fonde l'avenir du peuple. L'homme doit trouver femme. Femme doit l'aider à construire une maison. Femme doit l'aider à avoir un champ qui produit de la nourriture et qu'il va défricher et elle, elle va semer. Ça veut dire donc que les écans conçoivent que la richesse, c'est la terre. Les écans sont des très grands agriculteurs. C'est des super agriculteurs et c'est les gens qui ont compris que la terre, c'est Dieu, en fait. La terre, c'est Dieu. Rien d'autre sur cette vie, dans cette vie, ne te donnera gratuitement comme la terre. Tu mets un grain, elle t'en donne 100. Tu mets 10 grains, elle t'en donne 1 million. Les écans vont comprendre que la maîtrise de la terre, le contrôle de la terre, est la richesse, le contrôle de la richesse. La production de la terre est richesse. Et pour contrôler la terre, il faut être nombreux. Il faut être nombreux. C'est pour cela que la famille devient donc l'entreprise par laquelle les écans vont fonder leur système de survie et de survivance. C'est au sein de la famille. Mais quand nous regardons nos familles aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'avoir des familles. Les familles sont devenues plutôt les endroits les plus dangereux pour nous. Ça veut dire que le peuple est quand même en train de s'effriter.
Il est en train de se détruire, de s'auto-détruire. Or, il se trouve que la mère, Anna, lorsqu'elle a fait à ce que ses enfants, entre eux, se marient pour fonder le sang de son peuple, ça veut dire qu'elle a réduit tout à la famille. Elle a conditionné tout par la famille. L'homme fonde dans sa famille. Et il faut préciser que pour qu'il y ait beaucoup, pour que l'entreprise familiale soit prospère et qu'elle produise, c'est ça donc qui a créé la polygamie. La polygamie vient du fait que Moriyana Kuma, à partir du moment où tu as bot, tu as scie automatiquement la terre. Dès que tu as bot, tu as scie. Parce que bot, il faut, si tu as beaucoup de terre, supposons quelqu'un qui a 100 hectares de terrain, et il n'y a que 3 personnes dans cette famille, les 3 personnes ne pourront pas contrôler les 100 hectares. On va les leur arracher. D'une manière ou d'une autre, on va les leur arracher. Pour contrôler les 100 hectares, il faut que cette famille de 3 personnes réussisse à devenir 40 personnes. Et les 40 personnes vont pouvoir contrôler les 100 hectares. Quand ils seront assez nombreux et que les 100 hectares vont devenir petits pour eux, ils vont conquérir 200 hectares, 300 hectares. L'entreprise familiale devient donc une entreprise conquérante. Conquérante des terres, d'abord. Le contrôle des terres, le contrôle de la richesse, le contrôle de la production agricole. Maintenant, il faut défendre cette économie. Vous possédez maintenant la terre. Vous avez fondé votre famille. Il faut protéger votre entreprise. La famille doit avoir des guerriers. La famille doit avoir des vendeurs. La famille doit avoir des gens qui maîtrisent très bien l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et comme les écrans étaient en perpétuel déplacement, parce qu'ils étaient en migration cherchant le lieu où ils allaient aller habiter et créer le royaume de Dieu sur terre, il fallait donc des pisteurs. Il fallait des géographes. Tout ça se fonde à l'intérieur d'une famille. D'où donc, Bourboubnakouma. Parce que Bot commence à produire. Bot se multiplie et c'est autant d'hommes, autant de capacités, autant de facultés, autant de possibilités. Voilà comment la famille devient une entreprise très sérieuse, à partir de rien. Donc, quand tu es déjà capable de créer une famille, de fonder une famille, les bêtises disent que tu es devenu mote. Maintenant, tu peux t'asseoir au milieu des gens et commencer à parler. Tu peux t'asseoir au milieu des gens et commencer à parler, à souder. À mon toyer, un top zambi ningbis. Tu es déjà capable de parler des choses de la vie. Parce que tu as réussi à fonder une entreprise. Tu as réussi à fonder un système qui te permet, toi, de te nourrir et de nourrir ceux qui sont avec toi, ceux qui sont dépendants de toi.
onto imut. Alors, les bêtises se rendent compte que il ne faut pas seulement que l'individu fonde la famille. Il faut aussi que pour garantir à l'individu la survie avec sa famille, cette famille est vouée à mourir. Les Bétis veulent se constituer en un peuple homogène. En un peuple homogène qui est un bloc qui ne se sépare pas. Dans ce bloc-là, il faut donc que l'individu fasse sa part en devenant mout. Et il faut que la société qui l'entoure fasse sa part en protégeant ce mout. Et c'est bien. Il y a donc protection mutuelle. Il y a donc mutualisation des efforts. Il y a donc mutualisation des énergies. Il y a donc mutualisation, n'est-ce pas, des capacités, des facultés. Ou maintenant, ce que je n'ai pas, tu me l'apportes. Ce que tu n'as pas, je te l'apporte. La preuve, pour devenir mout, la société te donne une femme. La société te forme. Pour que tu sois formé, il y a quelqu'un qui a payé la facture de ça. Le Mpeso paye la facture de toute une contrée. Parce que le sceau coûtait cher. Il paye la facture de cela. Le parent te donne la terre. Ou il te présente une terre. Et quand il te montre une terre, il te dit, va la conquérir. Tu ne vas pas aller la conquérir seul. Tu vas appeler tes frères. Tu vas appeler les gens de des villages d'à côté, qui sont tes cousins. Tu vas dire, venez m'aider à aller conquérir cette terre-ci. Un songwan goulemanyan. Les camps se lèvent donc. On s'en va t'aider à acquérir tes terres, à conquérir tes terres. Et quand tu les conquiers, chacun rentre chez lui. Chacun rentre chez lui, tu leur donnes à manger au boycaz. Manbo veut bidi, et moi, moi, ça donne un dédié. Bivoual que un bien et son bas. Mais si moi. Donc, la communauté t'aide. Parce que la communauté sait qu'en retour, lorsque demain aussi, il y aura un nouvel homme, un nouveau mout, qui aura besoin d'aller conquérir une terre, tu vas te lever, tu vas aussi aller le faire. Alors, regardons ici la magie. C'est un individu qui s'en va conquérir sa terre. Les autres se lèvent pour l'aider à aller conquérir la terre. Et ils n'ont aucun autre intérêt que celui de l'aider à conquérir sa terre. Dès qu'il finit de la conquérir, chacun rentre chez lui et le gars reste avec sa terre. Il commence à la produire. Quand il a besoin d'une maison, on vient l'aider à construire sa maison. Tout le monde vient l'aider. On met la main dessus. Quand il a besoin du champ, si le champ est trop grand et tout, ses frères viennent l'aider pour abattre les arbres. Donc, c'est un système où on aide un individu à évoluer. Il y a de l'individualisme. Il y a l'importance à posséder par soi-même. Mais tu ne possèdes pas par toi-même, par tes propres efforts. En fait, c'est comme si ici, la seule chose qu'on te demande, c'est de prendre l'initiative et de dire aux gens, « Zan me voit ne boine, zom si, zom ka. » Et les gens se lèvent, ils viennent t'aider. Parce qu'en fait, si tu es fort, je suis fort.
Voilà comment les camps réfléchissent. C'est que si mon frère est fort, alors je suis fort. Si mon frère est fort, alors je suis fort. Il est important que chacun dans la société soit fort. Il est important que chacun dans la société soit indépendant. Parce que dans la société écan, nous sommes des hommes libres. Les écans sont des hommes libres. Dans notre liberté, il est inadmissible qu'un écan soit esclave de l'autre. Nous sommes libres. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'esclaves parmi les enfants de Dieu. C'est pour cela que les écans n'ont pas l'habitude de servir les autres. L'écan sait qu'il aide à ce qu'on loi, à Zouvali, et dans Manouvali, à Dougan. Omozinya et Yann ne me voient moins. Waouh, soit Ivoali, au Dougneuf. Il n'y a pas à esclavagiser quelqu'un parce qu'il est venu t'aider. Il n'y a pas à esclaviser quelqu'un parce que tu es venu l'aider. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les écans vivent dans une société où, ont créé une société où, dans laquelle les hommes, les êtres humains qui y vivent, sont interdépendants. Ils sont interdépendants et ils ont besoin que chacun d'eux soit fort pour que tout le groupe soit fort. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un soit fort. Les écans conçoivent la vie de sorte que si une seule personne est forte et que la masse des individus est faible, il n'y a pas d'avenir pour ce peuple. Il n'y a pas d'avenir pour ce peuple. Les écans conçoivent que pour qu'on soit fort, il faut que chacun de nous soit fort. Et pour que chacun de nous soit fort, il faut que pour relever chacun, pour aider chacun à être fort, tout le monde met la main dans la pâte. Tout le monde met la main dans la pâte pour que chacun soit fort. Voilà le communautarisme et comment il se fonde, comment il se bâtit. Les écans ne conçoivent pas qu'une seule personne doit être forte et que les autres doivent le servir. Ce n'est pas leur culture, ça. Leur mère leur a appris que chacun doit devenir un homme. Chacun doit servir Eyo. Et chacun doit être libre. Donc, que les écans arrêtent l'habitude qui est de vouloir rendre les autres dépendants d'eux. Parce que parce que chacun de nous a l'obligation de fonder une famille. Chaque femme a son mari et ses enfants, son foyer. Chaque homme a sa femme et ses enfants. Mourzina tonki nyumbak. Et on dit d'ailleurs, il y a d'ailleurs l'obligation à se marier, l'obligation à fonder une famille, c'est-à-dire à fonder une entreprise. Les Ekandi ont kouete di ngorise. On kouete di ngorise. On kouete di ngorise. C'est-à-dire le célibataire ne mange pas chaque soir. Donc, les célibataires sont aussi malheureux que les chiens abandonnés. Par exemple, la nécessité de fonder une famille. Tu ne peux donc pas esclavagiser ton frère. Tu ne peux donc pas faire à ce que ton frère te serve. Mais tu dois plutôt faire à ce que ton frère devienne fort, qu'il soit
il se lève. Parce que s'il est élevé, et que supposons que tu l'aies élevé, tu l'aies amené à s'élever. S'il est un bon informaticien, demain tu auras besoin d'informatique, il a l'obligation de venir t'aider. Voilà donc le système d'entraide et de communautarisme que les écrans mettent sur pied, où l'individu doit posséder, mais avec l'aide des autres, et vice-versa. L'individu possède avec l'aide des autres. Les autres doivent posséder avec l'aide de l'individu. Interdépendance. Voilà comment les écrans vont réussir à pallier au problème qui se posait de savoir comment survivre dans un monde hostile et rester un peuple uni, compact et un bloc. Ils vont miser sur les facultés naturelles. Les écrans vont comprendre que autant d'individus, autant de facultés, et c'est-à-dire autant de compétences. La gestion collégiale. Les écrans n'ont pas une gestion pyramidale. Les écrans ont une gestion collégiale des individus. Chacun étant une force, Maurice à toi, un top zambiningbis. Chacun peut commander à la nature. Chacun a son entreprise. Chacun est capable de produire sa terre. On dit d'ailleurs, pour cela, pour dire que chacun est capable de se débrouiller, chez les écrans, il y a un proverbe qui dit « Atinundundo, ana falgan deis, deis ibele atinundundo. Deis ibele atinundundo. Falgan deis ibele atinundundo. » Donc, chacun est capable de se débrouiller, chacun est capable de devenir un homme. Il est donc important que cette faculté-là en chacun soit nourrie et qu'elle soit promue. Et quand elle est promue, l'individu à son tour, dès qu'il est aidé, lui aussi a pour en retour de perpétuer la tradition, de faire à ce que les autres aussi, quand ils ont besoin de lui, qu'ils réagissent positivement. Nous passons donc, nous traversons le fait de la famille. Nous voyons que la famille va grandir. Quand la famille va grandir, la famille va créer le clan. Le clan va créer un groupe un peu plus grand que le clan. Et ce groupe un peu plus grand que le clan va encore créer un autre groupe un peu plus grand. Ce qui a donné toutes les ethnies que nous avons aujourd'hui. Alors, l'histoire nous enseigne comment est-ce que les écrans ont fonctionné à partir du noyau familial jusqu'à créer une société globale, économique globale, très forte et très puissante, capable de survivre dans le temps et dans l'espace. Je m'en vais nous lire quelque chose, une révélation qu'on m'a faite, un ancien m'a faite une fois, sur le fonctionnement des écrans. Ce fonctionnement, j'ai montré dans, à l'intérêt de la famille. La famille crée des talents. La famille crée et ces individus-là vont se multiplier. Et la famille va créer un clan. Ça veut dire que les enfants vont grandir. Il y a 7 enfants dans une famille. Chaque enfant va devenir une famille.
en fait. Chaque enfant va devenir une famille et le clan va naître. Et chaque famille a des individus qui ont des facultés. Je disais que les écans vont miser sur le mérite. Et ce mérite est basé, commence d'abord par le genre. Eric, oui. Voilà. Oui, c'est bien. Oui, vas-y. Donc, je disais que les écans vont fonder un système qui est basé sur le mérite. Et le mérite part d'abord du genre. Le genre homme et femme. On va exploiter les facultés de chaque genre pour créer une famille, unir cette famille et faire avancer les uns et les autres. Et voilà donc comment est-ce que les écans vont réussir à faire à ce que lorsque l'homme se lève le matin, il va et défriche le champ. Il défriche le champ, il finit de défricher, il laboure, il crée des sillons. Il finit de labourer, la femme vient semer. Pendant ce temps, il crée des pièges, il entoure le champ d'une haie protectrice contre les animaux et les serpents. Et il met les pièges tout autour du champ. Et pendant que la femme travaille, il veille. Voilà la répartition du travail, en fait, qui commence au sein de la famille. Les écans vont mettre sur pied, vont aller avec cette répartition du travail jusqu'à un très haut niveau. Et je parlais d'une gestion collégiale, d'une gestion où chacun apporte quelque chose. Voici à quoi servaient les tribus écans. Aujourd'hui, nous avons les tribus. Les tribus, nous devons savoir que les tribus écans ne viennent pas forcément du fait que un monsieur a créé, a enfanté, et que tous les enfants qui sont là sont descendants de ce monsieur. Ce ne sont pas tous les Mvo Atanambala qui sont fils d'Atanambala. Ce ne sont pas tous les tous les Bneux qui sont fils de Nebero. Ce ne sont pas tous les Énois qui sont fils de Noah Abono. Le système de création des tribus chez les écans vient de la compétence, en fait. Et cette compétence venait donc d'un homme qui était donc de ces compétents-là. Et finalement, l'ensemble de ces compétents-là prenait son nom. Nous allons le comprendre tout de suite à partir de cette lecture. Écan, gouvernement, mode de vie et répartition des tâches. Au départ, les Écans sont une confédération d'hommes libres, appelée parfois les Bananga. Ils n'avaient pas de chef, car c'était des Benzo, des hommes de parole, un peuple guerrier en perpétuel mouvement, vivant dans un ensemble appelé Ngesimba. C'était un royaume, bien avant les Allemands. Chaque clan jouait son rôle, et ses fonctions se transmettaient de père en fils. En tête, on avait les éclaireurs, les Bokwe et les Beyele. Ils traçaient les pistes, reconnaissaient le terrain et montraient la voie à suivre. Ce sont eux qui vont être les guides des écans après le passage de Dambora dans la forêt. Suivez les Beneux, les passeurs. Face aux grands obstacles,
le bonheur prenait le relais pour faire traverser le peuple. On se souvient bien de l'énigme à résoudre de la traversée du Yuam, qui sera résolue par Nebor, encore appelé Owonokore, ou encore Mbartsogo dans certains écrits. L'Endom était chargé du ravitaillement. L'Endom était chargé du ravitaillement. Les Tinga et les Meka étaient les grands chasseurs et pêcheurs au filet. Les Fons et les Ngwe étaient les porteurs de semences. En cas de guerre, les Fans, les Mvele ouvraient les fronts des batailles. Les Yanda soignaient les blessures de guerre et les fractures. Les Evuzok et les Etenga soignaient les maladies mystiques. Les Sors, les Mvele, les Eton et les Mengisa protégeaient les arrières avec les Énois. Les Écans progressaient ainsi à saute-mouton par relais vers le tombeau du soleil sous la direction des patriarches. Voilà donc un fonctionnement assez atypique de tout un peuple dans lequel les tribus en fait sont des rôles. C'est des champs de compétences. Donc, ça veut dire que lorsque l'enfant grandissait et était formé au rite de passage, quand il traversait et qu'on détectait qu'il est un bon chasseur ou un bon guerrier, il allait rejoindre le clan des guerriers, en quelque sorte. S'il maîtrisait les affaires d'argent, il allait rejoindre le clan qui connaît cette affaire-là. Quand on a besoin de lui, quand on a besoin d'eux, on l'appelle. Voilà comment les Écans ont réparti leur société. L'approche par compétence. C'est pour cela que nous avons des tribus qui sont omniprésentes au sein de tous les groupes Écans. Vous allez voir le tableau d'établissement des tribus et quand sur tout le territoire du Cameroun, vous allez constater que les Ndongs sont partout. Les Ndongs sont dans toutes les tribus. Parce que c'est eux qui s'occupaient du ravitaillement. Tu vas faire comment pour te déplacer si tu n'as pas le banquier? Si tu n'as pas le grenier, tu fais comment pour te déplacer? Vous allez remarquer que il y a des bneus. Les bneus sont à peu près partout. Il y a au moins un clan bneu dans chaque tribu au Cameroun. Du moins chez les Écans. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas te déplacer sans un passeur. Les gars qui maîtrisaient les travaux publics, les ponts et chaussées. Tu ne pouvais pas te déplacer sans qui va te fabriquer la route? Tu ne pourrais pas te déplacer sans les Bekwe. Rassurez-vous, il y a les clans Bekwe dans nos tribus. Parce que tu vas dans l'aventure, tu vas en aventure, tu migres, parce que comme on était constamment en pleine migration, et il fallait conquérir les terres. Parce que quand on arrive en Afrique centrale, il faut conquérir les terres. La terre est importante, il faut la conquérir. Il faut la posséder. Donc, quand on se met à conquérir les terres, les groupes se détachent. Les groupes se détachent. Donc, à l'intérieur d'un groupe, il faut les porteurs de semences, il faut les ravitailleurs, il faut les chasseurs, il faut les guerriers, il faut les soigneurs. Donc, dans chaque groupe, si un groupe de 100 personnes doit se déplacer, dans ces 100 personnes-là, on s'arrange à ce que il y ait des guerriers parmi eux. Il y ait des ceci parmi eux, des cela et ainsi de suite. Ce sont donc ces détachements-là qui vont créer les tribus que nous avons aujourd'hui. Mais au départ, les tribus que nous avons aujourd'hui n'existaient pas. Elles portent des noms, la plupart portent les noms des héros.
de détachement de groupe. Et les écans vont comprendre que pour qu'on s'en sorte, pour s'en sortir, il faut l'approche par compétence. Et dans cette approche par compétence, chacun doit jouer son rôle. Ce qui fait que les tribus se sont constituées comme étant pratiquement des entreprises. Ceux qui savaient faire la chasse, ceux qui savaient faire la guerre, attention, quand ils se déplaçaient pour venir vous faire la guerre, pour venir conquérir, moi je prends un exemple, les Mvondi qui sont voisins aux Ennois, mon arrière-arrière-grand-père, je dirais même arrière-arrière-arrière-grand-père, il a été appelé avec ses Ennois pour venir aider les Mvondi à posséder les terres qu'ils ont aujourd'hui du côté de Zwatupsi. Pourquoi? Parce que ils avaient affaire à quelqu'un de plus grand qu'eux, de plus puissant qu'eux, et ils avaient donc besoin qu'un groupe guerrier vienne les aider. Et ce groupe guerrier se faisait payer, bien sûr. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui les entreprises fonctionnent. Quelqu'un, il se spécialise dans la sécurité des maisons. Il crée son entreprise où il est spécialisé dans la sécurité des maisons et autres. Et il vend ses services. Voilà comment les écans vivaient entre eux. Tu payes, on vient, on t'aide, et puis chacun rentre chez lui. On te facture ce que tu dois faire, et puis chacun rentre. Donc, il n'y avait pas le service qui était donné, était important. Et il fallait se déplacer comme ça. Quand tu demandais, quand tu frappais le Nkoul et que tu disais, tu as besoin des pêcheurs. Les pêcheurs s'amenaient, ils te rendaient service et tu devais les payer en retour. Parce que les camps connaissent ce que veut dire donner à chacun seul son dû. Les camps n'exploitent pas. À Moumourzina, c'est au loin. Voilà comment le peuple Ekan a pu créer et a pu survivre dans le temps et l'espace en se fondant un système économique qui lui permettait de vivre les uns et les autres, dépendant des uns et des autres, et chacun faisant ce qu'il a à faire. Et je peux vous assurer que c'est grâce à ce système que nous avons construit les pyramides en Égypte. C'est grâce à ce système que nous avons fondé la Libella en Éthiopie. C'est grâce à ce système que nous avons migré depuis les péninsules arabiques jusqu'en Afrique centrale, en réussissant à commercer avec tous les grands peuples du monde, tout ce qu'on rencontrait, en enseignant de temps en temps, en partisant avec d'autres. Parce que, tout simplement, nous savions ce que veut dire l'échange de services, nous savions ce que veut dire l'entraide, nous savions ce que veut dire payer les services de quelqu'un, nous savions ce que veut dire fonder une entreprise et que ces entreprises étaient familiales. Donc, si un passeur, il y a tellement d'exemples. Il y a des gens qui étaient spécialisés dans le passé. Moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-père était spécialisé dans ça. Comme il était un très bon guerrier et ses enfants étaient des très bons guerriers, il s'est allié avec d'autres bons guerriers. Ils ont formé un petit groupe et ils étaient des mercenaires. Donc là où un peuple a besoin d'aller conquérir une terre, tu viens, tu les appelles, tu les payes, et les gars ils vont conquérir la terre pour toi, ils finissent de la conquérir, ils te remettent à terre et ils rentrent. Et voilà comment les gars prospéraient.
Et il savait que, absolument, aider son frère. Toutes ces entreprises servaient à une seule chose, à faire à ce que le peuple entier soit puissant, incorrigible, indestructible, soit puissant, incorrigible, indestructible, invulnérable. L'approche par compétence, l'entrepreneuriat familial, les entreprises qui deviennent complètement des conglomérats. Alors, vous allez me poser la question, avec tout ce système-là bien huilé, qu'est-ce qui s'est passé pour que on tombe, pour que les colons, par exemple, réussissent à mettre à terre le peuple? La raison, elle est simple. La première des choses, c'est que il est d'abord difficile qu'un système mis sur pied par les humains reste longtemps et constamment au même niveau de puissance et de force. Il y a eu des moments, il y a eu des hauts et des bas. C'est inscrit, c'est écrit dans notre histoire. Il y a au moins 7 périodes où nous avons été faibles et nous avons subi de très grandes pertes avant de nous relever. L'une de ces périodes-là est ce qu'on appelle Melouma. Nous allons faire ce que nous n'avions jamais fait de toute l'histoire. Réussir à changer de système. En fait, tenter de changer de système. Voilà la raison majeure de notre échec face à la colonisation, c'est ça. Nous avons tenté de changer de système. Et c'est quelqu'un qui va le faire, en la personne d'Atang Anantsama. Le quartier que vous appelez aujourd'hui à Yaoundé, Nsimeyong, en fait, c'est dans ce quartier prend le nom de l'association que Atang Anantsama avait créée, avait mis sur pied, où il a institué les chefs, les chefferies de chaque peuple, sous le commandement, bien sûr, des colons. Et il va faire quelque chose de précis, c'est qu'il va commencer à changer le système de pensée et le système traditionnel, culturel, béti. Même la façon de saluer va la changer. Les bétis vont partir de Ovuma, quelle manière de leur de saluer, pour essayer de se rapprocher à bonjour. Ils vont donc prendre un bambekiri, un bambangwe. Parce que Atang Anantsama a voulu occidentaliser le peuple béti. Et donc, ça veut dire quoi? Il a rompu l'alliance que Anna et Nanango, nos ancêtres primordiaux, avaient faite avec Eyo. Cette alliance qui disait, vous ne servirez pas d'autre Dieu que le Très-Haut. Vous ne changerez pas votre façon de faire. Et tous les peuples que vous rencontrerez, si un peuple veut commercer avec vous, veut intégrer votre population, votre système, veut s'intégrer à vous, vous lui apprendrez les coutumes de vos ancêtres et il fera l'alliance de les suivre et leurs garçons se feront circoncire pour marquer cette alliance. Mais Atang Anantsama va aller faire alliance avec les colons. Lorsque les bétis, peuple très accueillant, hein, les bétis ont côtoyé les colons pendant des années sans problème. Ils ne les trouvaient pas. Ils ne les considéraient pas comme une menace. Ça, c'est ce que l'histoire officielle ne dit pas. Nous avons côtoyé les Allemands pendant longtemps, commerçant avec eux, comme nous commercions avec les Anglais, comme nous commercions avec beaucoup d'autres, sans problème, parce que nous ne les considérions pas comme une menace. Et eux aussi n'entraient pas dans nos affaires.
D'ailleurs, tous les peuples environ leur disaient cela, disaient que les autres, là, ils sont provoqués. Vous allez voir ce que veut dire. Vous allez lire l'heure, comme on dit, on dit aujourd'hui. Vous allez lire l'heure le jour-là. On a côtoyé. Mais pendant ce temps, ce qu'on ne savait pas, c'est que des individus comme Atan et Tamar, qui avaient été bannis des rites, de la capacité à devenir moutes, parce qu'ils avaient échoué. Ils avaient échoué. Donc, individuellement, ils avaient échoué. C'est pour cela que c'est, ils étaient donc considérés comme des belois. Parce que si tu ne réussis pas à passer le rite, à faire le rite de passage, le rite du saut, si tu ne réussis pas à faire le mouvungu chez les femmes, tu es considéré comme un homme de basse, un être de basse extraction. Donc, tu n'as pas le droit de t'asseoir à la table des grands. Atanetama, n'ayant pas eu ce droit-là, il est allé faire alliance avec les Occidentaux qui l'ont fait asseoir à leur table. Et voilà comment il projette de faire tomber tout le système béti. Et quand il projette de faire tomber tout le système béti, en fait, pour devenir le roi des béti, il décide de livrer aux blancs tous les secrets des béti. C'est pour cela que lorsque la résistance béti va être engagée contre les Allemands, les béti vont se rendre compte que quelqu'un vend la mèche aux Allemands. Quelqu'un dit aux Allemands où nous nous rassemblons, ce que nous faisons et quelle est la force de nos nos armées. Quelle est la puissance de nos armées? La résistance va être farouche. L'histoire est écrite. Il y a des fouilles archéologiques qui ont démontré ça. À Campo, vers Campo aujourd'hui, il y a un charnier des Allemands, des soldats allemands, qui pèsent plus de 2 tonnes. C'est un chef béti qui a terrassé tout un bataillon allemand. C'est là-bas. Les Hainois ont terrassé des bataillons allemands à Ossossam. Plus précisément, au niveau de Nkolsoumou. Plus précisément, au niveau de Nkolsoumou. Deux grands patriarches, Ondouangandigi, Oumunkulu, c'était des gens extrêmement puissants. Les Allemands tiraient des canons, ils font ça avec la main comme ça. Tout tombe. L'histoire nous dit que les Allemands ont été obligés de rappeler toutes leurs armées installées jusqu'au Togo pour venir combattre. Parce qu'ils savaient que quand ils rencontrent les Hainois, c'est chaud. Mais bien sûr, on est venu donner une nouvelle à Ondouangandigi. On lui a annoncé une mauvaise nouvelle, que les Allemands ont retrouvé les cachettes des femmes et des enfants. Et ils sont en train de massacrer le peuple. Ondouangandigi va prendre sur lui la décision de se rendre. Quand il prend la décision de se rendre à Oumunkulu, qui combat en hauteur, quelque part du côté de Nkolsoumou, ne sait pas qu'Ondouangandigi a déjà capitulé. Il a dit, OK, puisque maintenant on fait mourir les enfants, on égorge les enfants, on égorge les femmes, je préfère me rendre pour que cette guerre s'arrête. Je ne peux pas accepter voir mon peuple mourir. Qui a donné la mèche aux Allemands? On ne sait pas. Mais quelqu'un a donné la mèche aux Allemands que pour avoir ces gars-ci-là, il faut massacrer les femmes et les enfants et les faibles. Il va se rendre. Quand Oumunkulu va apprendre que Ndouangandigi s'est rendu, il s'est fâché. Il s'est demandé pourquoi Ndouangandigi se rend sans
l'avertir. Odonganziva, Oumunkuluva se fâcher et il va disparaître. Voilà comment cette guerre va s'arrêter. Donc, c'est pour vous dire que nous avons été trahis, nous avons été pénétrés, le ver est entré dans le fruit et le mal a été fait. Nous sommes tombés. Il est question aujourd'hui de se relever d'une manière ou d'une autre. Et pour se relever, il faut s'inspirer du modèle ancien. Parce qu'il est fait de nos ADN, il est fait dans nos ADN. Nous sommes faits de ce modèle-là. Il faut s'inspirer de ce modèle. Et ce modèle qui avait pratiquement ces points, l'approche par compétence, la fraternité, l'unité, l'effort personnel soutenu par les autres. Si on essaye seulement d'appliquer ça aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on est capable de se relever en très peu de temps parce que les écrans sont très puissants en matière d'intelligence. Ils sont nombreux. Nous avons la terre. Nous avons les terres que nous devons protéger. Commencer par protéger parce que nos pères ont conquis ces terres-là. Nos pères les ont conquis sous le bras des armes. Nous devons protéger ces terres. Nous devons nous organiser. Et je pourrais dire aujourd'hui que les écansons, les familles peuvent être remplacées. Les familles étaient des entreprises. Nous pouvons aujourd'hui créer ces entreprises-là à travers des associations comme Bia Bia et pratiquer l'approche par compétence. Dans ce sens où, comme Bia Bia le fait d'ailleurs, c'est avoir une organisation collégiale où chacun fait selon la compétence qu'il possède. Nous pouvons nous organiser aussi d'une manière où on utilise les différentes compétences, les différents talents et les différentes facultés que les gens ont à l'intérieur d'une association. Nous essayons de voir comment est-ce que ces gens-là, ces différents groupes peuvent s'organiser, chacun par compétence ou par domaine de compétence. Et porter secours, porter aide à chaque groupe et de façon, comment on dit ça, à tour de rôle. Ça veut dire que si nous aidons les informaticiens à créer une industrie, une entreprise d'informatique, les informaticiens aussi vont apporter ils vont apporter au peuple une dividende, n'est-ce pas, un retour par rapport à cette entreprise qu'ils ont mis sur pied. Et ils vont aussi apporter main forte pour les forgerons qui voudront, par exemple, mettre sur pied une forge. Ainsi de suite, demain, on va aider ceux qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir créer une société immobilière. On va se mettre ensemble pour aider ceux qui se on va aider ceux qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer ci ou ça et ainsi de suite ceux qui peuvent créer des banques parce que tout ça nos tribus avaient toutes ces compétences là. Je peux prendre par métier aujourd'hui l'équivalent de chaque métier aujourd'hui sur le plan moderne. Je vous donne l'équivalent par tribu. Et vous montrer que les écans avaient ces entreprises-là. Et ces entreprises étaient représentées par des tribus ou des clans qui étaient chargés de ça. On savait que ceux-là, ils ont cette compétence-là. Quand tu as besoin de ça, tu peux aller chercher. Donc, nous pouvons réadapter ce système qui est le mieux adapté pour notre façon de fonctionner. Nous devons ressusciter en nous l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour du travail, l'amour de son frère, l'aide à son frère. Les écans avaient compris que un individu doit posséder, doit devenir un homme en possédant une femme, une maison et des terres. Mais il ne peut pas les posséder tout seul.
il ne peut pas le réaliser les trois projets-là, tout seul. On va l'aider à avoir une femme, on va l'aider à, avoir une, à construire une maison, on va l'aider à avoir les terres. Et lui aussi, il va faire de même pour les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun devenant fort, c'est tout le monde qui devient fort. Il y a des preuves dans l'histoire des Écan que nous avons été de très grands économistes et de très grands hommes qui possédaient de très grands entrepreneurs. On a le chef Mangissa Zogo, qui dans les années 50 avait prêté à la France plus de 1300 milliards de francs. Il a prêté à l'État français, prêté, a collé. Vous voyez que quelqu'un qui prête 1300 milliards, franchement, ça veut dire on ne prête que ce dont on peut se débarrasser sans que ça nous pose un problème. Donc voilà un peu de grosso modo. Je suis en train d'écrire un livre sur ça où ce sera plus détaillé. Voilà un peu grosso modo ce que je peux dire sur le système économique et quand et à quoi ça peut nous servir. Et on sait qu'il y a encore pour d'autres exemples, on a Tebela, d'autres exemples, on a l'ONCPB. Les gens ne le savent pas, mais l'argent de l'ONCPB, qui a été le grand constructeur de ce pays, venait de l'argent des planteurs. Et les planteurs, c'est qui? Les cacaoculteurs et les caféculteurs. C'est les Écans. Et nous savons aussi que le blanc avait compris que les Écans sont des très bons agriculteurs. C'est pour cela qu'il a institué la culture du cacao dans nos villages. Et pour instituer la culture du cacao dans nos villages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé notre système de village, d'installation de nos villages. Nos villages étaient dans les forêts, en cercle. On vivait en cercle en Andjoro. Il a fait déplacer les villages de la forêt vers les bordures de la route pour qu'on s'installe au bordure de la route, de sorte que quand le camion passe pour venir faire le ramassage du cacao, qu'il n'est pas entré dans les forêts et à se faire embourber là-bas. Voilà d'où la naissance des villages, la structure de nos villages aujourd'hui de façon linéaire sur les routes. Et c'est avec cet argent du cacao-là que le Cameroun a été construit. Et que tous les riches que vous voyez aujourd'hui là, quand on vous dit que ce sont les riches là, c'est l'argent de l'ONCPB qu'on leur prêtait. D'ailleurs, ils le doivent et n'ont jamais remboursé. Voilà. Donc maintenant nous allons passer aux questions. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Si vous avez une question à poser, faites-le sans. Donc, comme je vous ai indiqué tantôt, vous cliquez sur les participants, puis vous aurez la possibilité de lever la main à droite. Tout de suite, moi j'ai une question. Tu as parlé de l'approche par compétence et à un moment tu as indiqué. La façon dont Atanu Nchama s'était comporté. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'une méthode utilisée à petite échelle au niveau familial peut être reproduite de la même façon à grande échelle? Parce que est-ce que le problème ne viendrait pas parce que ce qu'on peut faire quand on est au niveau familial ne peut pas forcément être fait quand on est, par exemple, dans une cité ou bien où il y a une grande population? Voilà, c'est ma question. Sinon, adapter le système, oui, mais est-ce qu'on peut l'adapter de la même façon avec la même population? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que le système était familial, certes, mais en fait, c'était des entreprises. La seule différence, c'était que c'était des familles qui tenaient ces entreprises-là. La seule différence. J'ai parlé aujourd'hui qu'on peut remplacer, ces entreprises familiales par nos associations. Nos associations peuvent devenir des familles. Moi, je vois même ça dans l'avenir.
qu'en fait, la relève du peuple bedi va passer par les associations. Donc, les associations vont remplacer les familles, puisque nos familles sont déchirées aujourd'hui. Nos familles sont déchirées aujourd'hui, mais au nom du fait que nous sommes écans, nous trouvons des acquaintances. Hein? Nous trouvons des acquaintances avec des gens et nous nous mettons ensemble. C'est la même chose que les familles faisaient. En fait, les écans croyaient que la meilleure manière d'avoir une acquaintance avec l'autre, c'est que vous ayez le même sang. C'est que vous apparteniez à la même famille. Donc, donc, votre système de pensée, vous avez la même éducation. Donc, mi boule wourne. Ce qui fait donc que ça faisait donc que le chef de famille pouvait donc facilement donner une direction à sa famille et les enfants et autres l'appliquent. On a dit que tout à l'heure, nous avons lu que chaque clan jouait son rôle et ses fonctions se transmettaient de père en fils. Donc l'entreprise ne mourait pas, elle se transmettait de père en fils. Donc le défi que nous aurons aujourd'hui, c'est que si nous créons un autre type d'entreprise, c'est que ces entreprises ne meurent pas. C'est le défi que nous aurons aujourd'hui. C'est qu'il faudrait trouver un système, si nous n'avons pas des entreprises familiales, il faudrait trouver un système où les entreprises bien, par exemple, se constituent en entreprise et que bien continue à exister après que les Atemeng, les Évreux et tout ce monde-là aient existé. Qu'on revienne dans 3 siècles, 4 siècles, qu'on trouve toujours l'entreprise bien. C'est là où il faut trouver il faudra être plus intelligent. Pourquoi on ne reconnaisse plus, pourquoi on ne vit plus la récession que nous avons vécue depuis, que nous vivons depuis un siècle pratiquement. Parce que les écans, quand ils pensaient sur le temps et l'espace. Comme ils étaient migrateurs, ils savaient qu'ils vont se déplacer. Il leur fallait un système qui n'allait pas tomber à un moment de l'histoire. J'ai une main levée, c'est Aze Lendel. Ouais. Voilà. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voulais aussi d'abord saluer votre exposé, c'était très bien. Je salue aussi tout le panel et toutes mes excuses parce que je bougeais un peu. En fait, c'est une question et c'est aussi une observation. En fait, ma compréhension à moi me laisse voir ici une question de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se reconnaissent comme les écans ou alors ceux qui se reconnaissent appartenir à cette famille ont vraiment l'envie ou alors le souci de redevenir une seule maison? Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, je crois, l'individualisme a apporté beaucoup de... Je vais dire ça comment? Beaucoup de sciences de dispersion dans la mesure où les familles maintenant se concentrent sur le devenir de leur rejeton parce qu'on sait que le frère d'à côté n'est pas prêt à accompagner l'enfant de l'autre. Ce qui était monnaie courante il y a de cela peut-être 20-30 ans. On a aussi encore peur même de dire à son frère que notre enfant, notre fils, notre neveu est maintenant capable de présenter tel niveau, parce que le même oncle ou alors le même neveu peut, comme on dit bien en famille africaine, être la machette qui va chercher à freiner. Ça, c'est numéro 1. Mm-hmm. Vous avez parlé ici de lors de la guerre, quand on a trahi, la trahison qu'il y a eu et maintenant les guerriers qui se sont sentis affaiblis par les enfants. Est-ce que forcément, pour reprendre, parce que c'est peut-être une métaphore, mais moi, je vois ça dans un sens où c'est un principe de loyauté.
et d'engagement pour ce dont on appartient. Combien aujourd'hui sont capables encore de reprendre ça? Parce que quand on parle des écans, c'est bien beau. Je vais prendre l'exemple ici de nos cousins de l'Ouest. Ce n'est pas toujours très beau, mais quand ils décident de se mettre, vous voyez comment ils vont. Je m'en vais encore ici chez nos frères ici, nos cousins de la zone septentrionale. Quand ils décident de s'y mettre, ils s'y mettent. Ça ne veut pas dire que là-bas, c'est super parfait, mais j'ai l'impression que nous là, ce n'est vraiment plus ça. Je vais chuter en demandant, est-ce que tous les aînés et quand là, tous ceux qui sont en haut là, ne sont pas au courant de cette histoire que nous, aujourd'hui, moi, je prends connaissance de toutes ces histoires depuis que je me suis inscrit dans le forum et le groupe Bia Bia, où j'apprends la langue Boulou. Parce qu'il faut voir, justement, je l'ai dit même souvent dans Facebook, nous, maintenant, on apprend seulement le français, l'anglais, l'allemand, le chinois. Mais combien de parents ici mettent encore la culture et quand, même à la maison, il n'y a pas. Je suis boulou de San Benima. J'ai souvent demandé à certains camarades, est-ce que vous êtes capable de me raconter une histoire en boulou? Non, parce que né et grandi en ville. Mais je peux vous écrire en chinois, j'enseigne le chinois. Est-ce que mes enfants sont des chinois? Non. Donc ça veut dire que je suis en train de ratisser le terrain pour quelqu'un d'autre, il va venir, avec, il n'aura pas la boue. Est-ce que nos aînés, nos parents, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas au courant de ça? C'est un peu aussi ça, parce que nous ne faisons que subir. Donc, c'est jusqu'ici, voilà ma contribution. Merci. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire une chose déjà, c'est que c'est possible. C'est possible de reconstituer tout ce que nous avons perdu. Pourquoi? Parce que, je vous assure, ce que vous appelez, les gens que vous appelez les Bamilékés, il y a 30 ans exactement au Cameroun, ces gens-là ne se supportaient pas entre eux. Parce que culturellement, ils ne sont pas un peuple homogène. C'est des groupuscules de peuples qui n'ont même pas la même langue, qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas la même culture, de façon fondamentale. Mais qui, à cause de la régionalisation, à cause de leur régionalisation, ils se sont dit qu'il y avait un besoin de devenir aussi grand et que cette grandeur passait par l'unité, l'entraide, la mise en commun des forces et des idées. Moi, j'ai grandi à Mokolo, ici à Yaoundé. Je vous assure qu'en face de nous, il y avait les Baganté. Si tu disais à un Baganté que, vois-moi le Tchangla, il pouvait, rien que ça, ça pouvait être une histoire où il bagarre avec toi. Hein. Il te dit que, tu me confonds avec les sales porcs là. Qui est Tchang? Tu es malade, je suis Baganté. Or, nous, on n'a pas ce problème. Donc, si ils ont réussi à se mettre ensemble au nom de plusieurs philosophies qu'ils ont installées, que certains d'entre eux, certains penseurs d'entre eux ont réussi à installer en touchant les chefs, parce qu'il faut aussi dire que les chefs ont joué un très grand rôle pour cette union des peuples de cette région. Dès qu'on a convaincu les chefs ont imposé à leur population, et tu ne fais pas, tu seras puni. Donc, et ils ont cette force. Nous, on a une autre façon de fonctionner. C'est qu'on a inscrit dans nos cœurs, inscrit dans nos gènes, inscrit dans notre ADN, la fraternité entre nous. C'est inscrit. Ça veut dire que quand tu parles aujourd'hui, tu parles comme tu parles là, comme ça, parce que tu sens que c'est, parce que quelque chose au fond de toi t'appelle à t'unir à ton frère, et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que nous ne sommes pas unis. Dans nos termes, dans notre langue, il n'y a que des termes d'union. Hein. Dans notre culture, la division est proscrite. Donc ça veut dire que c'est, si eux, ils n'avaient pas ça dans leur culture, si eux ne se sentaient pas frères, mais ils ont réussi à créer une fraternité. À plus forte raison, des gens qui sont frères depuis des millénaires,
c'est une question de volonté. C'est une question d'initiative. C'est une question de faire le premier pas. Et ça va faire tache d'huile. Et aujourd'hui, le message passe de plus en plus. Je peux te dire effectivement que les aînés qui sont partout là, ils se comprennent de plus en plus. Ils comprennent de plus en plus et ils financent. Ils aident leurs frères de plus en plus. Parce qu'ils ont compris que si vous ne pensez pas en tant que peuple, les autres y pensent en tant que peuple. Et comme ils pensent en tant que peuple, leurs actions vont vous nuire et vont vous effriter. Mais si vous pensez en tant que peuple, vous allez constituer un bloc et vous allez pouvoir protéger ce que vous possédez déjà et maintenant pouvoir ajouter à ce que vous possédez déjà. Donc, c'est très important. Il faut croire que c'est possible parce que déjà, nous avons tous les atouts naturels. C'est naturellement en nous. Mais il y a un problème, c'est que l'habitude crée une seconde nature. Depuis 20, 30 ans, 40 ans pratiquement, ou 2 à 3 générations, les écans sont totalement en débandade totale. Ils sont dispersés. Mais je crois qu'il y a des circonstances dans la nature, dans la vie, un peu comme dans le passé. Hein. Ce n'est pas la première crise que nous avons dans notre existence. Ce n'est pas la première crise. Et il y a eu toujours des circonstances qui ont fait que les ancêtres ont créé des circonstances pour que la conscience revienne et qu'on trouve que non, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'était égaré, retrouvons le droit chemin. Donc, je pense que aujourd'hui, la nécessité de se remettre ensemble, de reformer un bloc comme nous étions, est plus présente qu'il y a 20 ans, 30 ans, où nous pensions qu'il n'y a pas de problème, nous sommes forts, on n'a pas de danger, personne ne peut nous rien nous faire. Donc voilà un peu ce que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai oublié un aspect. Ok, merci. Je te manque ton micro. Oui, je l'ai réactivé. Donc, lors de la présentation, il est bien dit que tu es héritier de la chefferie supérieure, d'une chefferie supérieure de deuxième degré, quoi. Mm-hmm. Justement, la régionalisation arrive. Et dans ton explication tantôt, tu parlais des chefs de nos cousins de l'Ouest qui savent dire à leur sujet, à leur peuple, écoutez, on fait comme qu'il ça. Qu'il faut faire. Ouais. Voilà, voici ce qu'on doit faire. Est-ce que ce travail est fait? Je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce que ce travail est fait au niveau des chefferies? Parce qu'il y a quand même un enjeu dans la régionalisation. En tout cas, toute personne qui regarde cette régionalisation, il y a un enjeu. Il y aura le chef, en tout cas l'adjoint au... Comment on appelle? Le président de la région, l'adjoint du président de la région, ce sera un chef traditionnel. Donc, il y a quand même un enjeu important. Et la région va gérer un budget non négligeable. Est-ce qu'un travail est fait pour que, voilà, nos chefs prennent déjà conscience de ce qui est en train de se mettre en place et de pouvoir commencer à sensibiliser les gens au niveau de la base? Ok. Je dirais oui, ce travail est de plus en plus fait. Mais je pense que le vrai problème, c'est la qualité de nos chefs même. Je crois que le vrai problème, c'est la qualité de nos chefs. Je pense que nous avons sombré pendant un bon bout de temps et nous avons joué avec la chefferie. Nous avons joué avec la chefferie et quand? C'est vrai que l'histoire de cette chefferie est mitigée et qu'elle est problématique, ça c'est clair, mais le peuple Ekan est un peuple d'adaptation. C'est un peuple qui sait s'adapter à son environnement, qui sait s'adapter au cours des choses. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen déjà de redonner l'importance à la chefferie au sein des Ekan. Ça veut dire que si on redonne l'importance à la chefferie au sein des Ekan, il va falloir que nos chefs soient installés selon les rites et les coutumes
et quand. Et que sa personnalité devienne une personnalité divine. C'est-à-dire une personnalité précieuse et inviolable. Ce qui veut dire aussi que, en devenant une personnalité inviolable, il va falloir que la sélection du chef soit faite avec l'accord des ancêtres et non plus selon le bon vouloir de qui a beaucoup d'argent, de quel politicien qui veut subitement devenir chef pour avoir de la notoriété dans son village et autres et tout ça. Ça veut dire qu'il faudra arriver au niveau, à des degrés où celui qui s'amuse à vouloir prendre, jouer avec la chefferie ou prendre la chefferie comme il veut, puisse être frappé de mort, par exemple. Donc, il faudrait que la chefferie devienne quelque chose de respecté. Et pour que la chefferie devienne quelque chose de respecté, il va falloir qu'elle s'intègre aux lois et coutumes et camps. C'est-à-dire, même son institution soit selon les normes des lois et coutumes et camps. Mais nous avons tellement sombré que nous sommes arrivés aujourd'hui jusqu'à jouer même avec le titre le plus prestigieux chez les Ekan, qui est le titre de Zomloi. Parce qu'en fait, c'était les Zomloi qui étaient les chefs des Ekan. C'est les Zomloi qui étaient les chefs des Ekan. Et ils travaillaient de façon collégiale. Le Zomloi de telle région, le Zomloi de telle autre région, le Zomloi de telle autre région. Quand il y avait une décision, ils se rencontrent, ils en parlent, ils parlent entre eux. Et ils donnent la direction à suivre au peuple. Mais aujourd'hui, il y a un chef qui m'a invité dans son village pour aller tenir un petit entretien pour savoir comment est-ce qu'on doit établir un Zomloi. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous jouons avec ce titre. C'est tout le monde qui peut prétendre que dès qu'il a déjà une petite notoriété là, il peut se dire qu'il est déjà patriarche, il est déjà Zomloi. Mais nous jouons avec ça, parce que si nous jouons avec ces titres-là, si nous jouons avec ces positions-là, nous jouons avec l'avenir du peuple. Parce que ce sont les gens qui sont censés donner la direction au peuple. C'est les gens qui sont censés protéger le peuple, conduire le peuple. Alors, si ce sont des rigolos qui sont à ces positions-là, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je bénis la régionalisation parce que la régionalisation va forcément nous conduire à poser ces questions-là sur la table. C'est que à quoi ressemblent aujourd'hui nos chefs? Parce que quand on va te dire, tu as dit effectivement, il y a des gros budgets, il y a des grosses responsabilités. Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un en un soir mouillard? Maintenant, être chef ne va plus être juste une histoire d'un soir mouillard. Ou juste une histoire que tu portes les épaulettes et après tu as le drapeau devant ta maison. Il faut être compétent. Donc le mérite va revenir. Parce que je vous assure, pour être Zomloi, pour être chef dans la tradition des Ekan, au temps des anciens Ekan, je t'assure, tu dois le prouver. Tu dois le démontrer par des actions et des actes. À son objet telle loi. Ce n'est pas une histoire qui s'invente. Tu dois démontrer que tu es capable de conduire tout l'ensemble des sorciers-là. Et que tu es capable de les contrôler. Et tu es capable de ban Bivoumouton. Nous ne sommes ban Bivoumouton. Il faut que tu sois. Il faut que tu prouves cela. Sinon, mon cher, on préfère même qu'un autre, nous dirige, quelqu'un d'un autre clan vienne diriger en attendant. C'est comme ça que ça se passait. Hein? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, une région se retrouve en train de gérer 4 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Ça va être encore comme on se plaît avec les ministères et tout ça.
Ah non, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Ceux qui vont s'amuser, on va les tuer. Parce que les gens ne vont plus accepter qu'à notre petit niveau aussi là, où tu peux développer, où tu peux aider les entreprises régionales, des entreprises des jeunes, des gens des jeunes. Et puis toi, tu t'amuses comme ça là. Parce qu'en fait, tu joues en un con. Oui, un con. Et comme tu as l'air un con, ça te va, on va toi. Mais les gens vont te battre, vont te tuer. Les gens vont te tuer. Et ça va conduire à la conscientisation. Ça va conduire à la remise à l'ordre des choses. On va revenir au mérite. Est-ce que la personne qui doit nous diriger a toutes les compétences qu'il faut et a la bénédiction des ancêtres? Et on ne va pas seulement tenir compte de sa compétence, on va le former. Je vous ai dit que le système est quand dit que l'individu doit réaliser, mais on aide l'individu à réaliser, afin que quand aussi il est fort, il donne un retour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les écrans font? Quand on met les chefs en compétition, les gens en compétition pour devenir chef, on dit le chef doit avoir la maison, le chef doit avoir ceci, le chef doit... Alors qu'ailleurs, on construit les chefs, au chef les maisons. Mais chez nous, on donne pour condition que le chef doit avoir la maison. En fait, qui a donné ce... D'où ça vient? Ça vient du fait qu'il y a des individus qui, parce qu'ils ont les meubles, ils arrivent à réaliser leur maison, ils arrivent à se dire, et puis ils partent se présenter, ils disent que, Benda, donc maman, il y a des... Et ton kukuma, on ne regarde pas la valeur intrinsèque. On ne regarde pas est-ce que les ancêtres sont d'accord. Et quand on va regarder ça, on va rendre le chef puissant. On va dire, on va prendre un petit enfant, même de 15 ans, on voit les compétences, on voit les capacités, on dit que non. Il m'a dit, Anabizamdzoué, Gadjoubia, et Kibiouyap, Namosumana et Vengoul. On lui construit une maison, on lui marie une femme, on donne tout. C'est comme ça que les écrans ont toujours vécu. On te rend capable d'aider tout le monde. On ne va pas te demander des choses qui te dépassent à réaliser. Mais la corruption nous a amené à ça aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais il y a la corruption, il y a beaucoup de freins. Est-ce que c'est... Je me demande si c'est... Je crois en une chose. Hein. Mm-hmm. Les circonstances ont créé la dégradation du système écran. OK? Mm-hmm. Les circonstances vont aussi créer le contraire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en train de nous parler sur Zoom à travers une association appelée Diabia et Kang. C'est parce que, à un moment, les circonstances nous ont rappelé que si nous ne créons pas un bloc, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous n'allons pas nous en sortir. Si nous ne nous remettons pas ensemble, nous n'allons pas nous en sortir. Les circonstances nous ont conduit à ça. Les circonstances vont conduire à l'exigence de l'annulation totale des corrompus et de la corruption. Et on va revenir à Tchamamangab, à Mamakiri, à Tchamangab, ce soir. On va revenir à ça. Mais une dernière question, c'est pas que je suis dubitatif, mais si on regarde rien que ces circonstances, on peut aussi dire que les circonstances peuvent aussi faire en sorte que ça empire. Parce que quand moi je regarde le paysage actuellement dans les villes, il y a par exemple eu un problème. En tout cas, nous avons tous entendu via les réseaux sociaux ces chefs de troisième degré halogènes, par exemple à Douala, je veux dire dans le littoral notamment, ou bien. Mais il est aussi possible que si rien n'est fait concrètement, que les circonstances amènent à avoir de plus en plus de chefs de troisième degré dans le centre, je veux dire dans le centre sud et est, et que, oui, avec les circonstances, dans 50 ans, on est le deuxième degré aussi halogène. Donc, okay. Je veux bien que les circonstances nous aident, mais est-ce qu'on peut encore se permettre de ne parler que de tout attendre des circonstances?
Non, 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 non. C'était ça ma dernière question. Non, non, on n'attend pas tout des circonstances. Loin de là, on n'attend pas tout des circonstances. Ce que je veux dire, c'est que les circonstances ont créé la conscience. Mm-hmm. Les circonstances ont créé la conscience. Ce qui est clair, c'est que les circonstances ont beau créer la conscience. Si vous ne faites rien, ça ne veut pas dire que c'est comme l'autruche. C'est pas parce qu'elle met la tête sous le sable que la réalité ne se passe pas. Donc, on aura beau être conscient, mais si on ferme les yeux, on ne va pas s'en sortir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je crois en Anungo, notre matriarche. Je crois en Anungo. Et elle avait dit, lorsque vous avez des problèmes, invoquez-moi. Notre mère nous a dit, lorsque vous aurez des problèmes, en quelque circonstance et en quelque époque que ce soit, invoquez-moi. D'où je serai auprès de Eyo, je vous viendrai en secours. Nous sommes un peuple spirituel. Nous sommes un peuple qui a été fondé, qu'on a fondé à partir de la spiritualité. Ça veut dire qu'il ne faut jamais écarter cette donnée-là. Il ne faut jamais écarter cette donnée. Elle est très importante. Elle est très importante, cette donnée. Il ne faut jamais l'écarter. Ça veut dire aussi que le peuple Ekan est un sphinx. C'est un peuple de sphinx. C'est-à-dire qu'il est capable de renaître de ses cendres. C'est un peuple qu'on ne tue jamais totalement. Il finit toujours par renaître à partir de rien du tout. C'est une magie que nous avons et cette magie agit, a toujours agi dans tous les temps. Quels que soient les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, nous allons toujours nous en sortir d'une manière ou d'une autre. Le secours nous viendra toujours. Et Nanungo nous a donné cette promesse. Si vous avez un problème, invoquez-moi, je viendrai. Donc, il y a ce fait. Ce que je veux donc dire, c'est que à Temengue, nous jouons. Hein? Notre avenir se joue entre la volonté des forces mystiques qui nous ont créés et notre capacité à pouvoir nous relever. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous sommes en train de sombrer, même si les forces en face de nous sont plus fortes que nous, ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que le sang qui coule en nous crie au secours. Quand nous crions et on attaque, aïe, les ancêtres l'entendent, ça réveille, ça les bouge là-bas. Et on dit attaque, aïe, ça les bouge là-bas. Et ce attaque fait donc que ils viennent créer les circonstances pour nous relever. Donc, ils nous boostent. Ils boostent et ils donnent les éléments pour nous relever. Et maintenant, on fait le reste. Donc, c'est pour cela que je dis, en quelques 6 années de prise de conscience des Ekan, depuis pratiquement 2013-2014, je t'assure, nous sommes plus conscients. Il y a un vent, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement qui est en train de se faire qui va dans le sens, n'est-ce pas, dans le sens de nous reconstituer en nation forte et développée. Maintenant, ils vont envoyer les compétents, ils vont susciter, ils vont créer. Vous savez, Bia, je suis dans les réseaux sociaux depuis 6-7 ans à chercher à mettre sur pied une association qui va reprendre le flambeau pour les Ekan. Je peux vous assurer que
fait d'avoir rencontré Bia Bia, j'étais à la 7e ou la 8e association. Donc, ça veut dire que Bia Bia aussi comme une sorte de cadeau du ciel. C'est comme ça que je conçois ça. Et c'est pour cela que j'apporte mon soutien à cette association. Parce que cette association est considérée comme, pour moi, comme une réponse de Nanongo. Et il y en a plusieurs réponses comme ça. Il y en a plusieurs. Bia Bia n'est pas seule. Et les écrans fonctionnent comme les neurones. Personne ne commande les neurones, mais chacun prend ses initiatives là où il se trouve. Et dans le sens de faire marcher le corps humain et le cerveau. Le corps humain étant le peuple écran. Et chaque neurone se trouve. Aux États-Unis, les gens se mobilisent. En Chine, les gens se mobilisent. Et quand tu regardes, tu te rends compte, ils parlent la même chose. Mais qui leur a donné la même parole? Qui leur a donné la même conscience? Pourtant, ils n'ont pas de chef qui prend les décisions pour eux. Non, notre chef est spirituel. C'est un Tondoube en personne. Vous avez déjà vu le peuple de Tondoube mourir? Non, ça ne meurt pas. Ça peut sombrer, mais ça ne meurt pas. Ah, c'est tout ce que moi, je ne peux que souhaiter, quoi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question, parce que nous sommes à plus de 2h30 de... Nous sommes déjà à plus de 2h30 de conférence. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons tout doucement clore et passer au divers. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, nous allons tout doucement clore. Nous allons donc retenir que ce qui est important pour nous, c'est l'approche par compétence, la fraternité, l'unité et l'effort personnel. L'effort personnel soutenu par l'effort des autres. Aoumou, est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui ont été avec nous ce soir? Ce que j'aimerais dire aux écans, c'est que pour nous en sortir, il va falloir apprendre à soutenir ceux qui sont capable de faire quelque chose. Alignons-nous derrière quelqu'un que nous sentons être fort, avoir des compétences. Arrêtons cette compétition inutile qui veut que on entre en compétition les uns les autres et finalement on tue l'initiative ou on tue une entreprise. C'est-à-dire quoi? Cette compétition veut que Atemeng a des capacités. Mais comme je ne veux pas, je veux aussi me faire voir. Je commence à critiquer systématiquement Atemeng. Je commence à montrer les faiblesses d'Atemeng. Et je fais tout pour détruire Atemeng. Et montrer que moi, je ne connais plus qu'Atemeng. Finalement, quand on me demande que bon, comme tu ne connais donc plus qu'Atemeng, dirige-nous alors. Moi, je ne vous ai pas dit que je veux diriger. Ou bien, quand on lui donne donc la capacité de diriger, soit il fuit le travail, soit il nous fait tomber, il nous fait plonger vers le bas. Il faut qu'on arrête cette attitude de compétition malsaine. La compétition doit être dans le sens de qu'est-ce que moi aussi je peux apporter au peuple. Si je sais écrire, j'apporte mon écriture. Je ne cherche pas à discuter le fait que quelqu'un connaît bien parler, ou quelqu'un connaît bien diriger, ou quelqu'un connaît, sait faire telle chose. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Voilà. Au lieu que tout le monde veut être important au lieu d'être utile, on est important quand on devient utile. C'est ton utilité qui te rend important. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu as juste besoin de faire. Et là où tu fais, quelqu'un te voit faire. Une personne va te voir faire. Deux personnes vont te voir faire. Trois personnes vont te voir faire. Quatre personnes vont te voir faire. Un jour, ton travail sera valorisé. Et tu seras appelé à la
direction collégiale du peuple. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil aux écans, que c'est ça qui fait notre frein. Nous n'avons pas de chef naturellement, c'est vrai, mais nous avons un collège de chefs. Ça fait donc qu'on fonctionne par approche de compétence, par compétence. Et cette approche par compétence veut donc qu'on ne soit pas en compétition les uns avec les autres, mais qu'on soit complémentaire. Si quelqu'un connaît, applaudit. Le fait de l'applaudir n'enlève en rien que tu vaux quelque chose, quelque part ou dans un domaine. Un jour aussi, on va t'applaudir sur autre chose que tu sais faire. Pourquoi chercher à montrer que tu connais, tu as fait plus d'école que l'autre, ou que tu connais plus la tradition que l'autre, ou que tu connais plus le Cameroun que l'autre, ou que tu connais plus que l'autre? Ça sert à quoi? Si tu sais, alors fais valoir ton savoir. Rends-le utile. C'est comme ça qu'on saura que tu sais. Ce n'est pas en essayant de ridiculiser l'autre. Ce n'est pas en essayant de faire savoir à l'autre que, dis donc, tu racontes des balivernes. Non. Ce n'est pas important. Nous devons apprendre à nous corriger d'une autre manière. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à aimer voir l'autre être compétent. Parce que la compétence de l'autre est utile à nous tous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de façon résumée, quoi. Et pour cela, je vais... je vais essayer de terminer avec un proverbe sur la richesse. Le proverbe dit Owe tam okubai babunyan. Owe tam okubai babunyan. Ça veut dire quoi? La richesse se partage et ne se vit pas seule. La richesse se partage et ne se vit pas seule. Owe tam, tu as tué le gibier en brousse, seul. Mais quand tu arrives au village, ce n'est pas toi qui le dépèce. C'est ton frère qui le dépèce. Et le partage se fait quand on finit de partager, tu es la première personne qui prend. Donc on reconnaît ton mérite. Et on distribue. Abonala. Ton micro. Donc,